Oui, 11e édition. Ben, tout d'abord, très content de pouvoir retrouver les collègues de toutes les régions en live, en direct, ensemble ici à Marseille. C'est vraiment un plaisir après ces années un petit peu plus compliquées. Et puis, comme d'habitude, les conférences Aphravie sont principalement une plateforme d'échange. Je crois que c'est ça que j'apprécie et que la plupart des participants apprécient. Une plateforme d'échange qui est accessible, qui est très sympathique et qui est très amicale, c'est-à-dire qu'on peut s'asseoir et discuter avec plein de gens qu'on ne voit pas à l'habitude. Et aussi, je dirais, une orientation qui est comme à l'habitude tournée aussi vers les pays du Sud, et ça, je pense, c'est très important. Ça offre une plateforme pour les prestataires de soins, pour les personnes qui sont impliquées dans la santé, le VIH, les hépatites virales, dans le Sud, et je crois que ça c'est très très important, et je suis content de la tournure que cette conférence a pris aussi. Voilà, et puis bien sûr qu'on est content d'être à Marseille, qui est une ville magnifique, et puis aussi une terre d'accueil, une terre chaleureuse, donc très content d'être à Marseille, avant peut-être dans 2 ans se tourner vers l'Afrique subsaharienne, j'espère.